bienvenue dans Environ 20 minutes Togmar. Buzz, clash, médias, polémiques, violence, sexe, drogue, argent, mise à jour et nouveautés, vous serez tous sur les coulisses de Path of Titans. Comment le nouveau jeu qui fait tant parler réussit à être stable? Quelles sont les grandes nouveautés après le patch 45? Aujourd'hui, j'ai décidé de tout vous dévoiler sur les coulisses de Path of Titans. Comment les dinosaures partent en vacances? Vont-ils vraiment à Saint-Barth? Le Psychomimus est-il vraiment deg d'être comme le Spino mais pas être comme le Spino? Vous serez tout en regardant cette vidéo. Je crois que je me suis un peu emballé. Mais bon, je prends exemple sur les plus grands. Ouais, j'avais oublié la musique. Mais what the fuck, ça crame les oreilles. Bon bref, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où... Putain, mais comment on fait pour baisser le son? Bah vous avez vu, là, il y a la vraie mise à jour. On avait du 45 Go, 43, je sais plus trop combien. Incroyable mise à jour, là on sent qu'il y a du contenu. Donc on va s'atteler ensemble. La dernière vidéo découverte sur ce jeu date d'il y a très longtemps, c'est celle-ci, où je comparais Path of Titans et The Isle. Ouh là là, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu, bande de petits coquins. Vous n'avez pas aimé que je compare des jeux incomparables? C'est vrai qu'ils sont vraiment totalement incomparables, ces deux jeux. Bref, alors depuis le temps, il s'est passé beaucoup de choses sur le jeu. On peut read le patch note, c'est écrit, on peut cliquer dessus. Mais en fin de compte, on peut pas cliquer dessus. Bon, c'est pas grave, c'est une découverte que j'ai fait avec vous. Donc peut-être qu'il y a des trucs que je saurais pas, peut-être qu'il y a des trucs que je saurais, peut-être qu'il y a des trucs que vous saurez, vous pouvez m'expliquer en commentaire si je me trompe ou si je dis des bêtises. En l'occurrence, pour l'instant, nous allons partir sur Community Servers. On va aller sur des serveurs, tout simplement. On va aller sur celui-là. 48 joueurs sur 50, ça me paraît très bien, confirmé. Et du coup, on va voir maintenant le nombre d'espèces jouables, on va voir lesquelles sont, et on va voir aussi comment ça se passe sur un serveur. Parce que la dernière fois que j'avais joué, il n'y avait pas de serveur, je crois, de mémoire, je sais plus. Et du coup, on va voir un peu ce qui est jouable aujourd'hui. Alors, on va pas tous les faire, on va tous les découvrir. Donc, il y a le bon Psychomimus qui est à l'aise dans l'eau. Il y a le bon Spinosaurus qui est à l'aise dans l'eau aussi. Il y a le Metriacanthosaurus. Alors celui-là, il m'a l'air plutôt badass. Ok. Bon, lui, on l'a déjà vu. C'était au tout début. Le Deinonychus, le Concavenator. Magnifique dinosaure. Concavenator avec une bosse sur le dos. Donc du coup qui est un carnivore aussi. Il y a le Ceratosaurus, très bien. L'Alioramus, l'Allosaurus. Ah non, il est pas playable. Ah ok, d'accord, merde. Celui-là il est pas playable, mais il va venir soon. L'Allosaur, il sera jouable aussi. Le Daspletosaurus. Alors lui ça va être le grand méchant, je crois, de Pardadens. Parce qu'il m'a l'air badass dans la vraie vie. Hein. Je crois que t'es un gros dino bien énervé. Et ok. Et en herbie, il y a quoi donc? Il y a le Styracosaurus, lui. C'est en gros, c'est comme un Triceratops. Comme un Diablo. Diablo plutôt. Mais c'est pas un Diablo. Ensuite, il y a le Struthiomimus. Ben ok, qui est jouable. Là, je parle des dinosaures qui sont jouables. Il y a le Lambeosaurus. Oh, celui-là, je pense qu'on va jouer avec. Le Kentrosaurus. Oh, celui-là d'un arc. Pour le tamer, c'est compliqué. Hein. Donc, il doit être fort, c'est sûr. Le Camptosaurus. Très bien. Alors, celui-là est très laid. Mais bon, il a le mérite d'exister. Le Barsboldier. Oh, il est pas jouable. Bon, mais il sera jouable à l'avenir. Léo Triceratops. C'est un Triceratops, mais plutôt... Eh oh. Oh, mon Dieu. Désolé. Et il y a le Stego aussi, qui sera jouable. Ok. Alors j'ai envie de commencer un petit peu le gameplay avec le Lambeosaurus. Bon, on peut changer les couleurs, on peut full modifier le dino. On va le mettre comme ça, 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 comme ça. Alors, you are a Lambeosaurus and eat berry bushes. Explore the map and find red berry to hit. Complete crest to hit marks. And your skin and character select screen. Donc on peut faire des quêtes pour débloquer des skins, ce qui est pas mal, c'est intéressant. Join a group, there is a safety number, escape predator or defend yourself. Donc on peut rejoindre un groupe et on peut s'échapper des prédateurs ou leur péter la gueule.
Je veux d'autres trucs. Il n'y a plus rien d'autre. Oh, ok, d'accord. Nous sommes le Berzboldia. D'accord, mais il est gros. Il est très gros, le Berzboldia. Tape E to hit. Ok, on va bouffer. On va bouffer. Alors. Ça régale. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va ne pas rester appuyé. Ça, c'est une petite feature qu'il n'y a pas dans The Hell et qu'il y a dans ce jeu. C'est une très bonne idée. Ensuite, bah écoutez, le jeu, bon là, il n'y a rien à dire. Moi, je le trouve toujours aussi beau. Vraiment, je le trouve beau. Je trouve que F1, on va accepter. J'accepte. T'es où, frérot? Frérot! Il est où? J'ai accepté son invite. Je l'ai rejeté. Ah non, il est là. Spring Scrap, vas-y, on va aller voir Spring Scrap. Yo! Yo, Spring Scrap. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ensuite, ce que je disais, bah, c'est que, comme d'habitude, ça, je vais pas le redire, mais je trouve le jeu vraiment très beau, avec les paysages qui sont... Bah, qui sont bien retranscrits, qui sont un peu chaotiques, naturels. Voilà, la nature, elle est comme ça, hein, elle est chaotique, elle n'est pas parfaite. Ça, j'aime bien, dans le jeu. Le problème qu'il y a, je trouve, c'est l'ambiance sonore. C'est pas un montage. Il n'y a aucun bruit. Donc je trouve ça un peu, voilà, ça serait bien que ce soit modifié quand même. Ce qui devrait être modifié aussi, c'est le système là des barres d'indication, tout l'ATH du jeu qui est pas très joli. Les barres de vie, les barres de faim, de soif et la barre d'attaque là, c'est pas très joli. Ça mériterait d'être modifié pour que ce soit un peu plus joli. Bah, on peut dire que le jeu quand même avance bien quand même, ça c'est positif. Régulièrement il y a des mises à jour, alors j'y joue pas à chaque fois, hein. Je vois qu'il y a des mises à jour, j'ai le Discord à côté, je vois les nouveautés, les updates, etc. Donc le jeu avance bien, le jeu avance assez vite. C'est un système de jeu qui est totalement différent que celui de The Hell pour l'instant, hein. Évidemment c'est de la survie, mais comme il est écrit ici, il y a des quêtes. Là il faut que je trouve Barabrook Lake pour avoir 50 de récompenses, pour avoir des succès. Alors pour l'instant, je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas vraiment ce que ça donne. Visiblement des skins. Mais ce qui pourrait être intéressant, je ne sais pas, c'est rajouter des dinosaures qu'on ne peut que gagner. Ça, je ne sais pas, moi j'y pense, je trouve que c'est une bonne idée de rajouter des dinosaures qu'on peut gagner. Et pas forcément des skins, parce que bon, un skin, tu vas pas faire 3 milliards de dinosaures. Et je me suis renseigné un petit peu aussi, histoire de pas dire que des conneries dans cette vidéo, on va essayer d'éviter. Je me suis renseigné un peu sur, en fin de compte, du coup, vu que pour l'instant, il n'y a pas de système de gruff comme dans The Isle, alors c'est quoi le but du jeu? Eh, mais ils sont à l'autre bout du monde, là. Eh, les gars, foutez quoi, là-bas, là? Ils sont, du coup, c'est quoi le but du jeu? C'est voilà, ça que je disais. Le but du jeu, c'est quoi? Ah, je vais me casser la gueule. Non, ça va, tranquille. Ben, en fait, le but du jeu, c'est visiblement, à ce que j'ai compris, alors, il faut savoir que tout est écrit en anglais, c'est très compliqué de faire copier-coller Google Trad, c'est que plus tu réalises des quêtes, plus tu peux XP ton dinosaure. C'est-à-dire, tu le fais gagner des compétences, tu lui fais gagner, par exemple, plus de vie, plus de force, plus de vitesse, plus d'endurance, voilà, des trucs comme ça. Donc du coup, c'est pas mal comme système. Ça permet d'avoir des dinosaures qui sont uniques, même si tu vois notre Barboldia, bah il aura pas forcément les mêmes attitudes que le tien. Et ça, je trouve ça vachement intéressant comme concept. Ensuite, j'ai vu, et ça, c'est une information à prendre en compte, oh que oui, pour l'avenir du jeu, que le système de quête, comme l'a trouvé Barry Blue Click, le système de quête permettra aussi de, alors c'est ce qui est écrit, construire des nids, créer des nids. Donc qui dit nid, dit œuf. Qui dit œuf dit bébé. Qui dit bébé dit globe. Voilà, c'est obligé. On va drink. Ah, tu te régales. Mais t'avais un peu soif. Donc dit que le système de growth un jour pourra peut-être être implanté quoi. Je pense que c'est une supputation qui n'est pas fausse. Hein, j'ai envie de dire, le jeu est beau. Le jeu est bien fait, c'est un jeu en coop. Moi, je pense qu'il a un bel avenir, surtout, vraiment. Après, c'est peut-être le joueur de The Hell qui parle. Mais surtout, s'il rajoute ce système de growth, ça donnera vraiment de la saveur au jeu.
Parce que là, commencer avec un dino qui est déjà full adulte. Ah, je suis à Deep Lake, je suis pas à Brook Lake. Commencer avec un dino qui est déjà full adulte, bah écoutez, c'est bien. Mais il y a moins de. Comment dire? Il y a moins de. D'enjeux, de pression, de la survie. Il y a moins de. Je trouve d'intérêt en fait à jouer à un dinosaure qui est déjà full adulte. Alors que si vraiment on a la possibilité de grandir et de survivre en grandissant pour faire son dinosaure ensuite unique et faire des bébés, etc. Enfin, le cycle de la vie, un peu comme dans The Hulk, quoi. Ben ça, je trouve que c'est vraiment très bien, quoi. Très bien, une très bonne idée. Et ça, le jeu, vraiment... Ouais, j'ai failli me fracachar la gueule. Le jeu, vraiment, serait vraiment un très très bon jeu si... Si cette petite... si cet ajout est fait, quoi, tout simplement. Hein. Si on pouvait ouvrir la carte aussi... Alors, je sais pas si c'est moi qui n'y arrive pas, hein, mais j'arrive pas à ouvrir la carte. Donc voilà. Bon, écoutez, le Barsboldia, il est bien sympa. Il est cool. Il nous permet... Départ de Daybreak. Et ça, c'est pas mal aussi d'avoir les zones, un peu que la carte soit zonée. Dans le jeu, plutôt que de regarder une carte à côté et tout, comme ça on peut dire à ses potes « Hey, je suis à Deep Lake, paf, toute ta map, si tu y arrives, et t'y vas, quoi. » J'y ai pas pensé, mais on va essayer de dire le maximum de choses dans cette vidéo. Donc, ce qu'il y a d'autre? Merde, j'ai oublié. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Concentré dans ma... Donc, ce qu'il y a d'autre, ça m'est revenu, c'est bon, enfin, alléluia. Alors, c'est que à Skip, il va y avoir, ou il y a déjà, je sais pas si c'est déjà implanté, j'ai pas lu tous les patch notes, je sais pas si c'est déjà implanté, mais il y a des événements qui se passent sur la carte, genre des événements naturels, visiblement, à ce que j'ai compris, auxquels il faut survivre. Donc la carte elle-même, visiblement, pourra être dynamique. Donc ma foi, c'est une bonne idée, encore une, j'ai envie de dire, Alderaan Game. Et aussi, oui, c'est tout l'aspect social que je viens de découvrir, là, pendant que j'en prenais ma stam. Donc tout l'aspect social, ici, il y a le groupe dans lequel je suis. Rank name, bon, voilà, je sais pas trop à quoi ça correspond pour l'instant, on va lui mettre une étoile, lui. Bon, je sais pas, peut pas. Donc ça, c'est le groupe, la troupe dans laquelle je suis. On peut faire des clans, visiblement, je sais pas, peut-être que c'est pour les carnivores, j'en sais rien. Il y a la liste des joueurs où on peut directement inviter ceux qu'on peut inviter. Il y en a qu'on peut pas inviter. Il y en a, lui, il est déjà dans mon groupe, j'imagine. Voilà. Et on peut directement rajouter des amis. Vous voyez, là, il y a l'idée. L'idée du joueur, voilà, ou de moi. Et on peut rajouter des amis, add friends. Tu tapes l'idée. Voilà, et paf, tu le add. Et c'est bien parce qu'il y a un vrai aspect social dans le jeu. Visiblement, qui est important. On peut voir les groupes, voilà, etc. On peut voir plein de trucs. Oh, il veut quoi, lui? Ah ouais, du coup, on peut se mettre en mode combat, là. Viens là, viens se bagarre. Et oui, du coup, ce qui est bien aussi, c'est que même en tant qu'herbivore, du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le crouch dans le jeu, c'est-à-dire de l'accélération par rapport à une position d'embuscade. Mais en fait, il y a tout simplement un mode silencieux, un mode soum-soum, histoire de faire le moins de bruit possible. Et même les herbivores l'ont. Et ça, c'est quand même pas mal, si on veut être discret, s'il y a une giga-groupe de carnivores. Et il y a un mode un petit peu combat, où on peut se regarder en chien de faïence, en se mettant comme ça, et pour essayer d'avoir... ben voilà, de pas être surpris et tout. Je trouve que ça, c'est un bon petit ajout, de pouvoir faire des combats comme ça, un peu dynamiques, où voilà, les dinosaures ne se foncent pas dedans en se traversant les uns dans les autres. Je trouve ça plutôt pas mal. Par contre, toi là-bas, là, j'aimerais bien qu'on se castagne. Le Barsboldia qui va castagner, viens là. Même Astride. Bah après, les combats, ils ont quand même un peu de tension quand même. Il me fait pas de mal, c'est normal ça. Oh, il y a un succo. Il m'a empoisonné. What? Et le succo, il est énorme. Vas-y, venez les succos, c'est pas grave, même si je crève. Non, mais ma coince. Il empoisonne, lui. C'est incroyable, ça. J'arrive pas à m'en sortir, il me reste ride.
Je crois que j'ai crevé, hein. Mais c'est pour tester un peu la force du Bumble Gear. Ouais, je vais me faire défoncer. Ils ont rajouté des systèmes de saignement, j'ai l'impression. Ouais, je l'ai fumé, lui. Alors, le Zuko, t'es fait défoncer par le Barbos Dia. Ah, par contre, il court beaucoup plus vite, le Zuko. Vas-y. Bah, je suis mort, vas-y, c'est pas grave. C'était pour tester le Barbos Dia. Après, pour l'instant aussi, il n'y a pas beaucoup de monde sur les serveurs. C'est des serveurs à 50 personnes. Je sais pas si à l'avenir, ils vont être agrandis. Normalement, ça parle sur le jeu de 200 personnes. Des serveurs à 200. Donc pour l'instant, on est 50, max. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce jeu? Il y a peut-être une chose, un autre défaut que je trouve qui est assez important. C'est voilà, vous voyez ici au loin, en fait, on voit que les herbes et tout ça apparaissent au fur et à mesure, ce qui est le cas dans tous les jeux. Mais là, elles apparaissent quand même vachement proches du joueur. Ce qui, je trouve, fait un petit peu diminuer l'immersion dans le jeu. Hein, l'apparition comme ça des herbes au dernier moment, des arbres, des cailloux, des rochers, etc., etc. C'est pas quelque chose qui est incroyable. Et en plus, dites-vous-le, je suis en épique. Hein. Je suis en épique partout, tout va bien. Végétation épique, distance d'affichage épique. Bon, je vais pas mettre en cinématique, j'ai pas envie de faire cramer mon ordi, il va pas y avoir certainement une différence incroyable. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur le jeu. Je trouve que, voilà, la vitesse... Oh. Attends, mais il n'y a pas de dégâts de chute. Ah, il peut sauter le bug. Mais par contre, il n'y a pas de dégâts de chute ou comment ça se passe? Pousse. Donc pour conclure définitivement cette vidéo qui n'a que trop duré, je trouve personnellement que le jeu évolue bien, que c'est très intéressant, qu'il y a plein de promesses au niveau des quêtes, au niveau de la survie, au niveau de l'aspect social et au niveau graphique. Quelques points négatifs qui sont l'ambiance sonore, je trouve, au niveau des combats aussi, qui est pas folle. L'ambiance sonore en général dans le jeu. Petit problème d'optimisation, de mise à jour en permanence de la végétation et tout ça. Mais bon, ça je pense que ça va être réglé à l'avenir. Et puis en gros, vraiment, je trouve que c'est positif. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Donc, si c'est le cas, surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Vraiment, il carille celui-là. Il fait grave plaisir, il fait du bien, référencement, tout ça, vous connaissez. Hein, on n'a pas encore 1 million d'abonnés. Donc, bombardez-moi les pouces bleus. Le petit commentaire, si j'ai oublié des informations, si j'ai dit des bêtises... Si vous avez juste envie de dire bonjour ou de dire Togmore, t'es le meilleur, ça fait toujours plaisir. Togmore, t'es une grosse merde, vous pouvez vous abstenir, évidemment. L'amour plutôt que la haine, oh, un jour elle triomphera. Et oui. Je pense qu'à ce moment-là de la vidéo, il n'y a quasiment plus personne. Mais c'est pas grave, je vais continuer. Abonnez-vous si vous avez envie aussi. Et si vous n'avez pas envie, abonnez-vous aussi. C'est gratuit et c'est ça qui est bien. Dans la vie, qu'est-ce qui est gratuit? Posez-vous la question. Une seule chose est gratuite. Un abonnement sur la chaîne YouTube de Togmore. Voilà. Tchuss.